Il défie, il te défie. Il défie ton pouvoir. Il défie Marcel Abeke, celui qui était là avant eux, leur pire ennemi. Mais Brice, est-ce qu'on a besoin de ça lorsqu'on veut reconstruire un pays? Mon jeune frère, est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, Madame Tico, c'est une ancienne chose du maître, du grand maître. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de vouloir satisfaire certains fantasmes. Je te comprends. Mais Brice, on dirige un pays de main de fer. On dirige un pays en étant juste envers tout le monde. Regarde comment tu as divisé le Haut-Togo. Le Haut-Togo, il n'y a que trois ethnies qui sont en vogue. Et certaines familles. Il y a les Bawandi, il y a les Bateke. Il y a les Bawandi, il y a les Bateke. Il y a la famille d'Oyiba, qui est au-dessus de tout le monde aujourd'hui. Le haut représentant là, c'est quoi? C'est le chef suprême du Haut-Togo. Mais si tu veux être honnête avec tout le monde, j'ai vu là que tu as pris certaines participations de la CKGADIS. Mais tu attends quoi pour récupérer les actions de à prix import? Puisque là-bas, prix import, c'est une affaire de Jean-Pierre Oyiba et consorts. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi on te ramène ça? Mais Brice, c'est de la pure méchanceté. Tu as été violent avec Opianga, qui t'a aidé dans ce coup d'État-là. Si avec Opianga tu as été comme ça, pourquoi tu n'en serais pas comme ça avec les autres? Ça, c'est ce qu'on appelle en politique la malhonnêteté. Je ne pense pas que tu sois malhonnête. Je ne pense pas que tu sois ce genre de personne. Sauf si, à l'exercice du pouvoir, tu penses que tu es déjà arrivé, que tu ne peux plus écouter ce qu'on te dit. Et puis, est-ce qu'il n'est pas temps que tu reviennes sur Terre? Ton affaire de vouloir imposer les militaires qu'ils aient deux femmes, c'est quoi? Tu veux les détourner de l'objectif de te déposer ou quoi? Mais tu perds ton temps, mon frère. Lorsqu'Ali Bongo s'est entêté parce qu'il voulait satisfaire sa libido, il voulait satisfaire ses premiers caprices, lorsqu'il a imposé la dépénalisation de l'homosexualité, tu as vu quel tollé ça a créé dans l'opinion. Ça l'a tué politiquement. Oui, tout le monde sait que Ali Bongo, c'est un PD. Et il y a plein de PD qui écument ton cabinet là-bas. Ils sont pleins. Mais nous sommes des hétéros. Notre mère qui est Angoni ou notre père qui est Oyem là, on nous a appris à faire quoi? On couche les femmes. Linganové, les Tchamakasi. Mais pourquoi aller mettre sa bite dans un trou à caca? Mais Brice, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu n'as pas avancé. Mais il y a les femmes, on a vu sous le règne du maître, du grand maître, Fomal Bongo. Tout le monde était convaincu qu'il aurait pu épouser la grande soeur Chantal Dimoto. Mais le grand maître avait combien de maîtresses? Il a pris une seule femme. Même quand Zouba a voulu faire passer certaines lois pour qu'il puisse prendre deux femmes, tu as vu comment les femmes se sont levées. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vas supporter de voir notre femme, celle qui a souffert avec nous, où tu n'étais encore rien, toi, Oligui, Zita, marcher avec les autres femmes en slip dans Libreville, parce que tu as envie de satisfaire ta femme de Kango, qui est manipulée par Laurence Ndong. Mais Brice, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et puis, plus grave encore, je dis Brice, fais attention. Je sais que la relation que tu as nouée avec Obiangueman, c'est une relation d'affaires. Parce que c'est là-bas où, chaque week-end, vous louez des jets remplis d'argent, vous allez les déposer en Guinée équatoriale, puisqu'ici en Europe, on ne vous fait plus confiance, vous êtes surveillé. C'est là-bas où tu amènes un balai d'argent. Et nous apprenons aujourd'hui, pour le regretter, que en retour, Obiangueman te demande de faire, de sacrifier, de tuer ses opposants qui sont sur le territoire gabonais. Et comme tu as su bien t'approprier certaines théories de Nicolas Machiavel, c'est comme ça que tu as instruit Niamankala pour pouvoir commettre des assassinats. Parce que Niamankala, pour demeurer à la tête du CEDOC, il faudrait qu'il t'obéisse, machin et tout. Mais tu oublies que ce Niamankala-là, mais c'est lui qui informe, c'est lui qui prépare tes ennemis. La même Laurence Ndong sur laquelle tu surfes là. Et ce sont les choses de Niamankala. La même Laurence Ndong là, c'était la chose de Ngoulou. Mais est-ce que tu connais la sérologie de ces gens-là? Brice. Mais tu es le chef de l'État. Tu es le président de la transition. Nous avons une obligation de te respecter, mais respecte-nous aussi, Brice. Tu mets en place l'affaire des bourses. Mais 12 000 millions. Brice, tu as vu plus que ça. Est-ce que tu as besoin de mentir les élèves? Que tu vas leur donner des bourses? Et puis par après, vous récupérez le reste, vous vous servez. Mais Brice, c'est quoi ces histoires-là? La fonction que tu as là, c'est la fonction la plus onéreuse de l'État. Puisque tu veux être président, pose le cas, pose les actes, satisfais d'abord les plus sceptiques que nous sommes.
Mais tu t'es empêtré dans une histoire. Tu vois, tu fais un deal. La route Oyem-Mongomo, là, à Medzeng, là. Il semblerait que c'est Obiangema. Donc, ça dit que les Chinois qui travaillent là, ils sont payés par Obiangema. Et toi, tu fais dépenser de l'argent à l'État gabonais en récupérant cet argent en le mettant dans tes poches. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Donc, vraiment, autant tu as déjà, comment on appelle ça, fait un remue-ménage, tu as remanié le gouvernement de Ndansima. Tu as remanié le gouvernement de Ndansima en faisant rentrer certains alliés, en conservant copines et copains et coquins. Mais est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui que tu puisses refondre ton cabinet? Parce qu'il pose beaucoup de problèmes. Là-bas, ils ont mis en place un système. Ils savent que tu aimes l'argent, on te donne ce qui te revient, et chacun monnaie les nominations là-bas. Voilà ce qui se passe. Et ça, le peuple en pâtit. Le peuple souffre. Pourquoi toujours les mêmes? Pourquoi pas les autres? Moi, pour être élu maire à Mwanda, je suis allé en qualité d'indépendant. J'ai utilisé mon argent, mon aura. Je me suis battu. Et j'ai été élu premier maire adjoint de la commune de Mwanda. Parce que j'étais devenu arbitre entre l'UGDD et le PDG. Mais à l'époque, j'avais bien la possibilité de rester avec le grand Zach, avec mon papa Zachary Mboto. Mais j'ai choisi de ne pas trahir le grand maître. Puisque c'est lui qui nous a tous façonnés. Mais ce que tu fais là n'est pas bien. Tu nous mets dos au mur. Tu nous mets dos au mur, Brice. C'est de la pure méchanceté. Il n'y a pas autre chose que tu es en train de faire là. Batolo te donne de l'argent. Batolo fait des réunions là-bas. Il réunit les femmes. Qu'il y a 33, il y a ceci. Mais ces projets-là, on connaît comment ça se passe. Parmi les 33 personnes là, tu verras au moins 25, ce sont les parents de Batolo. Tous les projets, c'est chez chez les Bawandji. Les autres n'existent pas. Les autres n'existent pas. Quelle est la banque? Quelle est la banque? Quelle est la banque qui donne? Où on dépose les papiers pour réhabiliter? Parce qu'un projet, il faut l'asseoir. Or, si on a mis de l'argent, c'est-à-dire que l'argent là, la banque, votre projet est bancable, on vous donne. Vous remboursez comment? Parce que c'est ce qu'on appelle le turnover. Mais, monsieur Brice Potter-Oligingema, vraiment, je crains pour demain. Peut-être que tu as une stratégie, mais je tiens à te dire qu'il faudrait qu'on respecte la charte. Les gens que tu nommes là, il faut aussi leur dire qu'ils ne seront plus jamais candidats. La prochaine élection. Mais appelle tous les responsables des partis politiques, puisque tu veux donner une chance à tout le monde. Or, là, à la lune, nous voyons les choses. Le PDG est en train de se régénérer. L'UPR en train de se positionner. Donc, il n'y a jamais eu un coup de libération. Il y a eu plutôt un coup de bluff. Mais on verra entre toi et nous qui va bluffer les autres. Peut-être que tu nous tueras tous. Parce que tu n'auras pas envie de laisser. Tu n'auras pas envie de laisser ce pouvoir-là. Mais je suis convaincu que Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu que tu pries là, il te fera entendre raison. Je te remercie.